Les Arabes, leur destin est le nôtre et fondamentalement le récit d'une histoire partagée. Non pas d'une histoire en miroir, une histoire qui se construirait en opposition, mais une histoire où Français et Arabes luttent, espèrent et parfois travaillent ensemble. Cette histoire, elle commence avec un événement bien connu qui est l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. Expédition qui est à la fois agression coloniale, mais aussi choc culturel, qui va pousser les Arabes, qui jusqu'alors se considèrent avant tout comme des musulmans, à se définir comme arabes face aux Occidentaux d'une part, mais aussi face aux Turcs, qui jusqu'alors étaient leur tutelle sous l'Empire ottoman. Donc on va avoir tout au long du XIXe siècle une renaissance arabe, en arabe ça s'appelle la Nahda, qui va se développer au contact et sous l'influence de la France. On pense aux Saint-Simoniens en Égypte et en Algérie, mais on oublie trop souvent les nombreux boursiers arabes qui sont venus littéralement s'abreuver dans les universités parisiennes et notamment la Sorbonne pour en ramener dans leur pays des projets de réforme et des idéaux de modernisation. Alors cette Nahda, cette renaissance, elle a eu deux pôles en Égypte et en Tunisie où une modernisation autoritaire par le haut a pu se développer avec en Égypte un accent sur le rôle déterminant de l'État et en Tunisie un accent au contraire sur le processus constitutionnel. Il faut savoir que la Tunisie abolit l'esclavage 2 ans avant la France et qu'elle adopte en 1861 une constitution qui est donc la première du monde musulman bien avant la constitution ottomane. Ces expériences vont être entravées par l'expansion coloniale, que ce soit en Égypte avec l'occupation britannique en 1882 ou en Tunisie avec le protectorat français 1 an plus tôt. Néanmoins, la Renaissance, la Nahda, se poursuit. Elle va se poursuivre au cours de la Première Guerre mondiale où les Arabes entrent en alliance avec les Français et les Britanniques contre les Turcs eux-mêmes alliés aux Allemands et espèrent de cette alliance l'établissement d'un royaume arabe avec Damas pour capitale. On sait que ces espoirs seront frustrés, que ces promesses seront trahies et que les Arabes, du coup, verront l'élan de la Nahda s'enliser sous le régime colonial qui règne maintenant un peu partout avec ses nouveaux mandats dans le Levant oriental. Et on a malgré tout des expériences de pluralisme politique, de démocratie parlementaire, de presse libre. Et il faut le double choc de l'établissement de l'État d'Israël en 1948 et de l'avènement de dictatures arabes au nom soi-disant du progressisme, du socialisme, de la libération des peuples, pour que cette Nahda soit oubliée pendant 2 générations, mais oubliée sans qu'elle disparaisse. En fait, elle était là, elle était latente. Et je vois dans le soulèvement démocratique qui se répand dans le monde arabe à partir de l'hiver 2010-2011, en fait, la manifestation contemporaine de cette Nahda, de cette renaissance, la poursuite de ce combat arabe pour les libertés. Et je crois profondément que ce soulèvement démocratique qui a secoué le monde arabe à partir de l'hiver 2010-2011 est la traduction, la manifestation contemporaine de cette Nahda. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces peuples arabes n'ont en fait jamais cessé de lutter pour leur liberté individuelle et collective. Ce que j'espère avec cet ouvrage, c'est de faire comprendre la profondeur de cette histoire partagée, mais donc aussi de ce destin commun. Et que cette liberté des Arabes, cette liberté pour laquelle les Arabes
continue de se battre et malheureusement de mourir. On pense à la Syrie, à l'Égypte, à la Libye, au Yémen. Mais on voit aussi la Tunisie qui vient de recevoir ce prix Nobel de la paix extraordinaire qui couronne non seulement la transition démocratique, mais la société civile dans ce qu'elle s'est investie pour la réalisation des aspirations des peuples arabes. Donc oui, les Arabes, leur destin est le nôtre, et je crois que ce destin lié, eh bien, il va vers la libération commune.